Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer du coup le résumé fut champion de la semaine qui s'est bien déroulé alors que je pensais que ça allait être pire que ça vu la situation dans laquelle je joue. Enfin bref, j'ai vraiment pas là je joue sur un grand écran et j'ai pas l'habitude de jouer sur. D'habitude je joue sur un écran d'ordinateur, écran de PC. Et l'écran télé n'est pas adapté simplement au développement de la PS5, du coup il y a un retard quand même. Un léger retard, ça va, parce que j'ai vu pire quand même. Mais un léger retard, mais ça a pas trop ça a pas trop eu de conséquences sur notre résultat. Et du coup, alors l'équipe avec laquelle j'ai joué, ce n'est pas celle-là, c'est l'équipe celle-là que je devrais faire normalement. Avec sûrement quelqu'un d'autre que Aloyran en pointe, hein. Il est juste là pour pour figurer, on va dire. Donc voilà, en résumé de l'équipe, j'avais Hakimi Boost à droite et Okocha de base en pointe, que jouait dans un 4-2-3-1 du coup. Hop, tac, il est ici. Tac, perso. Qui est ici, du coup, avec Coutinho en 10, Okocha à droite. Hakimi à droite et Cancelo à gauche, Neymar à gauche, Papé en pointe, Modric en MDC, Ramos en centrale. Et du coup le fut champion s'est vraiment très très bien passé avec des hommes majeurs on va dire dans la performance. On a retrouvé un gros Coutinho, un Mbappé omniprésent, un Okocha vraiment que j'ai, bah, j'adore Okocha hein, forcément les gars, mais même bien qu'il soit sa carte soit un petit peu dépassée, je trouve. Il a fait le taf. Il a fait le taf. Même s'il y a des matchs où un peu plus compliqués que d'autres, mais il a fait le taf. Donc on va pas lui reprocher. Modric a eu un fut champion compliqué quand même, je trouve. Il y a eu des matchs un petit peu en dedans. Mais ça reste monstrueux quand même. On a tapé Raspadori tout à l'heure, je faisais des renforts pour avoir Nuno Tavares, là, pour que je vais pas chercher Nuno Tavares, évidemment. Mais c'est des choses à 4 ans de plus, et puis on a tapé Raspadori, et puis j'ai eu des belles notes, j'ai eu du Maignan, j'ai eu du Arnold, j'ai eu des 87, des 85, donc un bon SBC celui-là. Voilà les gars, je vais vous laisser avec la vidéo, elle est pas très longue, elle dure quoi, elle dure 3 minutes et quelques, avec la récompense ça fait 6 minutes, voilà, tout avec l'intro elle dure une dizaine de minutes. Il y a de jolis buts, j'ai mis aussi quelques actions ratées, j'ai mis un résumé assez court mais assez bref. Voilà les gars. Je vous laisse avec la vidéo et puis je te retrouve de toute façon à la fin de la vidéo. Je vous fais un petit commentaire du coup sur l'équipe. Voilà, ma vidéo. Donc Coutinho à la virgule, la frappe contrée, on récupère un petit tac chanceux, virgule extra de Mbappé, frappe timing vert, c'est but, c'est logique. Au suivant, c'est lequel celui-là? On a eu de la chance sur celui-là. Est-ce qu'il bouge son goal et puis son goal revient, donc timing arrive avec Mbappé. On a de la chance, ça rentre. Je tombe une deuxième fois contre le même adversaire. Et là on lui fait une fin de corps. Mbappé il bouge son goal, c'est très bien, je note pas. Et pareil, fin de power shot. La timing vert ça rentre pas, c'est dommage. On va en avoir une deuxième. Mbappé pour Coutinho. Coutinho qui perd, ce qu'il va trouver au Kocha. Kocha ça finit. C'est 2-0. Ça fait deux rage kits d'affilée, c'est bon. Mbappé petit gris, il rate son gris-gris. Il continue, c'est pas grave, virgule, la petite roulette et la frappe, malheureusement j'aurais dû la croiser celle-là, je la tire tout droit, c'est de ma faute. Pareil, on grillerait avec Coutinho, Okocha, passement de jambes. Là sur ce match-là, on a été obligé de faire le taf parce que j'étais contre moi. Et on arrive bien à finir avec Mbappé sur un gros travail de Okocha. Pareil, la Coutinho, croquette à passe, là ça rentre pas alors que ça doit rentrer encore une fois, peut-être que je la tape externe. Là aussi ça va pas rentrer, alors que ça doit rentrer. Les timings verts m'ont fait défaut peut-être dans ce match. Et ça va finir par rentrer finalement avec Neymar. Encore un bon travail de Kocha. Vous voyez les stats, hein. Un tir un but, on se tire un. On a surdominé dans ce match. Là à l'engagement, l'adversaire fait une grosse erreur. Il me relance mal et puis il va bouger son gardien. Donc Kocha, premier poteau, ses buts en timing vert. Mbappé là, le bon travail, la Maguidi, la frappe en lunettes, sans être pour lui, c'est Arachit. Neymar. Voilà, du Neymar dans le texte. Magnifique la frappe en lucarne. Là, notre adversaire, donc ça, notre match, notre adversaire va faire un petit greedy après un petit du droit de Puskás. Il ne faut pas faire ça. Donc, on a eu une égalisation Modric. Timing vers Mbappé à l'engagement. Voilà, un petit greedy. Et puis, c'est pas fini. Hein. Jamais 203.
Corner, on la récupère bien. Bappé virgule, frappe timing vert. Et un autre greedy pour toi, mon coco. Faut pas célébrer. Faut pas célébrer avec moi. C'est pas bien. Deuxième match. On est un peu plus loin que ça. Player lock pour Mbappé. Pardon, moi j'ai du mal à trouver. Et puis la frappe. Malheureusement, je tire trop tard. Encore Mbappé au travail. Mbappé qui va trouver. Qui va trouver continuer. Il a mal défendu avec son. Je crois que c'est Maldini. Tiens, Maldini. Et Coutinho qui finit bien. Là, on va bien jouer avec Mbappé. La prise de vitesse. Hein, bon, c'est Mbappé. Hein. Et là, j'ai de la chance parce qu'il a fini très très bien alors que son gardien est sorti. Il la place super bien en timing vert. Matos, le gros travail de Matos. La passe pour Mbappé. Le 1-2 avec Coutinho. La frappe timing vert. C'est but. C'est magnifique. C'est très bien joué. Modric pour Coutinho. Coutinho. La fin de frappe. La talonnade pour Mbappé. La frappe qui malheureusement ne passe pas sur Militao. Intervient bien. Et là, gros travail de Coutinho qui extermine son Gullit et qui finit frappe premier poteau. On avait du mal dans ce match. C'est un match serré, on l'a bien joué. Mbappé frappe premier poteau. Bien joué de notre part. Neymar, le travail, la frappe timing vert. Magnifique de la part de Neymar, la petite Maguidi qui a fait le taf. Le cancel frappe de Coutinho qui malheureusement ne passe pas. Et du coup, c'est déjà la fin du coup de l'enregistrement avec. Bon, c'est assez court quand même. J'aurais pu en mettre plus, mais c'est assez court. Du coup, les récompenses fut champion, j'avais complètement zappé sur le moment d'ouvrir, qui c'est que je pouvais avoir en rouge. Et bon, on va pas s'en sortir trop mal avec Canales en rouge, de toute façon, on voulait que de la note, David Soria en rouge. Donc on prend, ça fera de la note achetée dans l'SBC, puis ouais, j'ai hésité là, on a pris Frimpong. De la note pour faire le SBC icône où je vais vous spoil, j'ai eu Adji, j'avais prévu de le sortir de la vidéo, ça ne sert absolument à rien si c'est Adji. Choix bien dégueulasse là du 84 plus de 4,84, c'est moche. Kanté, on va prendre pareil pour la note, hein, ça se prend. Et je crois que c'est Navas, voilà. Bon, en soi, les récompenses sont pas trop mauvaises, on a eu de la bonne note, donc je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre, et puis on a les packs encore. je pensais que c'était deux packs ultimes, mais un pack à 50, et non, c'est deux packs à 50 000. Et on va pas être trop béné sur cela avec Kostic dans l'un, puis l'autre ne va pas être beaucoup mieux. Malheureusement, bon après on a quand même été ça va, ça aurait pu être, c'est pas les meilleures récompenses que j'ai vues, mais c'est pas les plus mauvaises non plus. On s'est fait quelques crédits avec. Donc oui, Bono, c'est pas beau Bono. Pack ultime. Qui va ultime, on s'en sort avec. Je pensais que c'était Lewandowski, j'étais content, mais non, c'est Chesney. Lewandowski, j'aurais pu monter avec 60-65 000. Chesney, bon. Ça ira dans un PC, hein, ça ira dans le choix joueur qui sort ce soir. On va envoyer tout ça au club. Et là, je vais avoir un doute, je vais hésiter à trouver mes packs boost ou pas. J'ai oublié qu'il y avait CR7. Et au final, du coup, je les ouvre. Je les ouvre, et puis on va avoir un petit Griffo. Je pensais que Di Lorenzo était peut-être plus intéressant en termes de prix, ça valait 55-58. Quand j'ai fini mon feu de champion, il était 23h je crois. Et le deuxième deuxième pack qui va pas être et bien mieux. Bon, ça reste correct. Hein. On a eu des récompenses correctes avec 100 000 grâce au pack boost et du coup 75 000 je crois de crédit de récompense avec 16. Oui, du coup, parce que j'ai fait 16 victoires sur ce fut champion là, donc c'est pas. Sachant que. Là où je joue, c'est pas optimal, c'est pas un mauvais résultat. Voilà, je vous laisse avec du coup le résumé de l'équipe et puis les stats de Coutinho et de l'équipe en général. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le résumé du coup du fut champion. Donc comme je l'ai dit, un Modric un petit peu décevant. Et vous l'avez vu sur les clips, un Coutinho quand même omniprésent à la création et à la finition surtout. Donc ses stats. Donc 43 matchs, 21 buts et 19 passes des sachant qu'il y a allez, au moins une dizaine de matchs rivals de la semaine là où je n'ai fait que perdre. J'ai fait que perdre, j'arrivais pas à jouer tout simplement. Moi je suis satisfait de ses stats. Même Mbappé, ouais, voilà, je suis passé en négatif avec Mbappé à cause des matchs rivals, mais ça reste quand même monstrueux. On va essayer de remonter un petit peu ça.
Neymar très fort, même sur l'aile, c'est très fort Neymar. Après, je sais que c'est pas son meilleur poste, en 10 il serait meilleur, en 10 pur. Mais Coutinho, c'est une carte plus récente, c'est plus fun à jouer que Neymar Boost que j'ai depuis longtemps, même s'il est enfin. Voilà, vous m'avez compris, j'adore Neymar Boost, c'est le summum du fun, mais Coutinho, voilà. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais sûrement vous sortir. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je verrai si je sors une vidéo dans le reste de la semaine, un petit résumé Rivals, soit un petit résumé des skills que j'ai sorti avec Coutinho, parce qu'hier j'ai sorti un but, mais oh, il est légendaire, c'est vraiment le plus beau but de ma carrière, je crois. Il est sur ma chaîne, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Voilà les gars, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.